Salut les internautes, c'est le trappeur Picard. Bon, le Picard a pris un coup de chaud et une insolation. Il n'a pas la forme. Bon, petite surprise à vous montrer. Vous avez dit qu'il y aurait des surprises. Donc là, on est dans les bacs à cochons, les vieux bacs à cochons que je me suis servi pour faire de l'élevage de lapins. Toujours dans le thème de l'autosuffisance. Et bon, j'aurai ma première portée dans les bacs à lapins. Dans les bacs à cochons, même. Donc, elle avait fait son nid dans le mangeoir. Du coup, j'ai laissé. Et regardez-moi les petits cochons. Regardez. Ils sont beaux comme tout. Ils ont les yeux ouverts. Donc, je les avais pas embêtés avant que les yeux s'ouvrent, hein, parce que des fois, les femelles sont un petit peu bêtes. Elles veulent les manger après. Mais il y a des beaux petits lapins. Regardez-moi ça. Hop. Donc là, la première portée 2022. Donc, toujours dans le thème de l'autosuffisance et j'ai eu aucune perte. Hop, on va les recouvrir. Tac, on va remettre comme c'était. Les petites mères sont là. Bon, je vais avoir encore d'autres portées. Quand j'aurai d'autres portées, je vous ferai une petite vidéo. Donc, les constructions avancent, hein. L'étage pour mon élevage avance aussi. J'ai eu pas mal de travaux, donc ça avance bien. Il n'y a pas de souci. En tout cas, voilà, c'était une courte vidéo aussi pour montrer que je suis toujours en vie. Et pour vous montrer les naissances, bon, les petits. Bon, je vous les montre, bien sûr. Les yeux ouverts, hein. On n'y touche pas avant parce que sinon la femelle elle les mange. Donc, je vous montrerai l'évolution des petits lapins avec le temps. Et comme ça vous les verrez grandir. Je vous dis à très bientôt, c'était Trappeur Picard. Merci.